Cyborg, what the... Oh, j'adore la musique et tout. Ah putain, il est énorme. À l'aide. Faut une permis spécial pour conduire ce truc. Eh, c'est moi qui ouvre, hein. C'est honneur aux... Honneur aux personnes qui dépensent le pognon. T'as passé ta licence parce que tu pourras pas décoller si t'as passé la licence, si t'as pas passé la licence. D'accord, ok. Toi, t'es vraiment c'est à faire cool, ça. Et alors, quand on rentre par l'arrière, ça vous dit ou bien on rentre par devant? Ah non, il y a un ascenseur, attendez. J'ai dit que c'était à moi l'honneur de rentrer en premier dans le vaisseau. Moi, je le connais. Tard. Moi, je le connais. La trappe arrière est juste immense. Ouais, alors on va. Non, je vais prendre la trappe arrière. Vu que personne n'écoute ce que je dis, c'est la dernière fois que j'achète un vaisseau à 5 millions, hein, les mecs. Le prochain, ça sera 10. Verra, putain, c'est comme dans mon. J'arrive pas à ouvrir, tellement c'est haut. Saute, saute. J'arrive pas à ouvrir la trappe, elle est trop haute. Bah, c'est bon, il est en train de s'ouvrir, Tu veux m'écraser? Là, tu verras, c'est comme dans mon Mercury, mais en mille fois plus grand. Oh waouh! Regardez ça, ça c'est l'arrière du vaisseau, ça c'est la rampe, donc je vais rentrer dans la rampe du vaisseau. Ah oui, c'est un peu plus restreint. Ah ouais, puis là il y a les bombes, il y en a combien? Oh, il y a un distributeur de bombes. Il y en a 4 normalement. En fait, c'est comme un revolver mais avec des bombes. Incroyable. Il y en a 2 énormes. Non mais la soute de malade. Puis là tu montes. Ouais, mais tu peux pas mettre des gros vaisseaux, des gros trucs dedans. Oh putain, il bug. Tu peux rentrer des tanks à l'intérieur. Attends. Ah, il bug. Ah, il manque un bout. Ouais. Tu t'es fait arnaquer là, sérieux. Ah il bug. Papa dit que tu es un petit frère. Tu veux pas te voir. Il est bizarre, lui. D'accord. Alors, ça va, où peut-on jouer à Citizen? Il faut aller sur le site de Robert Space Industry. Il faut utiliser mon code. Il faut utiliser mon code de référal. C'est obligatoire. Sinon, le jeu marche pas. On s'est aperçu que ça marchait pas si on n'utilise pas mon code. N'importe quoi. Et après, on fait comment pour aller dans le poste depuis ici? Un ascenseur ou une échelle, tu vas au... Ah, une échelle. C'est dangereux, non? Non. Échelle, non. Non, attends. Voilà, échelle. Les échelles, c'est ce qu'il y a de plus safe dans le jeu. Voilà. Et tu vois, le poste de pilotage, comment il est immense. Oh, attends, il faut que j'explore encore un tout petit peu là. Oh là là. Mais t'avais pas dit que tu faisais ça sur une planète? Mais oui, mais on fera l'extérieur. Parce que de toute façon, je fais comme ça. D'habitude, je visite un peu l'intérieur. Parce que de toute façon, on s'en fout qu'on soit sur une planète ou pas. Ça revient au même l'intérieur, tu vois. Ça, c'est quoi les moteurs de Quantum, ça, je pense? C'est les moteurs, tout simplement. Belle lumière, quoi. Incroyable. Et on fait la visite, généralement. Ensuite, on prend le pilotage, on décolle. Et puis après, on va sur une belle planète. Et après, on va regarder un peu l'extérieur. Puis après, on le crash. Et ça, c'est quoi, des ascenseurs pour descendre hors du vaisseau, ça? Hors du vaisseau. Ah, il y a les quartiers sur le côté. Ah oui, c'est ça. Attends, on va essayer. Ah non, c'est de l'équipement, ça. Ça va, la tête. Oh, les belles lumières et tout. Magnifique. Et là, il y a quoi? Oh, il y a les couchettes. Ouais, les quartiers. Oh, c'est génial. Il y a combien de lits? Ah, c'est quoi, ça? Ah, la cuisine. Il y a une cuisine. Oh, viens, on va s'asseoir. J'arrive pas à m'asseoir. Il bug. Bon, d'accord. On est combien là? On est 4. Attends, est-ce que je peux piquer une tasse? Non, je peux pas piquer de tasse. Il y a un nounours sous la table. Mon rêve, c'est de piquer une tasse pour pouvoir la mettre dans mon 315. Ok, bon, bah laisse tomber. Alors, next. Là, il y a des... C'est marrant parce que... Toi, il y a des trucs en cuir avec des lanières et tout. J'aime bien, quoi, le style. Les portes automatiques. Alors ça, effectivement, c'est les mêmes portes que dans ton vaisseau. C'est pareil, c'est juste... Là, c'est l'ascenseur. T'as rodé la porte, là, ce qu'il y avait? Ah non, j'ai pas tout regardé. Après, on pourra peut-être faire un petit complément. Ok. Voilà. Oh, c'est incroyable, on dirait un sas de... Tu sais, pour aller dans une fusée. Poste de pilotage. Waouh, j'adore parce qu'il y a des... Ouais, alors... Par contre, on n'a pas une très très grande vue. Incroyable. Bon, bah écoute, je vais m'installer. C'est où le poste de pilotage? C'est moi? C'est le gauche, toujours, hein.
Et est-ce que c'est que ce truc? Ah parce que tu te mets dedans et t'avances au poste de pilotage. Ah ouais. Trouver le bouton pour fermer la cargo bay. Ouais, si tu peux fermer l'arrière, ça c'est cool. Oh, il y a des capsules d'évacuation. Ah, faudra qu'on, ouais. Faut qu'on essaye tout. Mais je sais pas si ça marche déjà encore dans le jeu maintenant. Si, si. Oh, j'en ai marre de me faire troller. C'est pas souvent que ça arrive. Par contre, Firo, je sais pas si tu te fous de ma gueule ou des gens qui sont parmi nous, mais je vais devoir te ban. J'ai pas accès à la cargo bay de moi, là. Si t'arrêtes pas de polluer, en fait, parce que le problème, c'est que tu pollues aussi du côté Twitch. Si, il faut que t'arrêtes d'écrire des messages comme ça que personne ne comprend, parce que ça pollue tout. Et puis, je vais devoir te ban et t'oublier pour toujours. Par contre, ils auraient pu mettre un quatrième siège. Ouais c'est vrai que c'est vrai que là... Alors, attends, on va essayer de les contacter. Quelqu'un peut aller fermer le caveau quoi derrière. Il va. Bah, il peut le fermer depuis l'avant non? Non justement je suis en train de chercher le bouton mais. Non mais depuis l'avant. Oui bah oui mais. La taille du truc. Bon la lumière est pas très réaliste ici, je trouve que c'est même un petit peu à chier. Il y a une belle musique incroyable et tout, et ils nous ont tout gâché avec une lumière de merde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un peu bof hein. C'est vrai que c'est un peu. C'est un peu plastique, hein, genre. T'as vu qu'il faut pas monter trop haut, hein. Les ailes, elles sont proches des murs, là. ouais, c'est violent. Mais c'est quoi cet espace de stockage de vaisseau? Bon, en fait, le truc, c'est qu'ils sont très contents que t'achètes un truc à 5 millions. Ils veulent que tu le pètes le plus vite possible. Bon, bah, il faudra pas faire de. Est-ce qu'on est prêt? C'est un vrai veau, genre, vraiment, fais gaffe avec les mouvements. C'est ouvert en haut? De quoi? C'est ouvert en haut? Ouais, c'est bon, c'est ouvert. Ok. Ouais, c'est ouvert. Voilà, avec la trappe ouverte, quoi. Et voilà. Vous avez fermé la trappe? Négatif, c'est en cours. C'est en cours, ok. Ouais, parce que là, ça ressemble à rien. Ah, bravo. Tu viendras me montrer le bouton, hein. Ah, il se trouve juste à côté des bombes. Je savais pas si c'était. Ah ouais. Ah, tu largues une bombe atomique sur Horizon. Alors là, attends, je vais rentrer le train. On va acheter le mall ou alors on fait un petit entracte? Non, on fait un petit entracte. Attends, il faut pas se stresser. Okay. On a toute la nuit, hein. Moi, je suis jusqu'à 1h du mat. Hein. Va sur Daimar à la nuit. Ah oui, Daimar. Oui, quitte à. Puis. Oh. Puis tu, comme ça, tu pourras voir, on va les péter une bombe. Et moi je propose qu'il y ait quelqu'un au sol quand on fait péter la bombe pour voir. Ah toi, faudrait que tu sois au sol, comme ça tu vois comment ça pète. Non. C'est ça le truc. Ça serait mieux. Je suis pas pour. Pourquoi? Elle tombe verticale, c'est de la pure chute libre. Bon, on se mettra au-dessus. Avec la vitesse, tu peux... Ouais mais c'est moins impressionnant du haut je trouve. Enfin du vaisseau. Voilà, c'est parti. Avec le plus gros bombardier du jeu, on va aller larguer un petit cadeau. Vince Plop, coucou. Il y a combien de toiles sur ce vaisseau? Deux. Enfin, moi j'en ai deux. Ah oui. Il y a 4 places assises pour la tourelle. 4 places assises dans la tourelle? Ouais. Arrête. Il doit y en avoir plusieurs. Ah, il faut qu'on aille visiter ça après, hein. Absolument. Moi, là, dans le cockpit, je suis un cycle de fou. À l'avant. Comment ça va, Vince Plop? Un crew de 8. Tu dois avoir 4 sur des tourelles. Et attends, juste, on n'est pas sorti de l'atmosphère, hein, là. Oh, il met les boosters et tout, mais oh. Met tout à fond. On va se partir plus vite. Attends, F6. Moi, le temps qu'on sorte, hein, moi, je vais faire quelques petits trucs, j'arrive. Parce que là, ça va être long. Là, ça va être très long parce qu'on a le veau du jeu, quoi, j'ai l'impression. À la limite, cale-toi sur une altitude et tu bloques ta vélocité. Avec C là, tu sais. Ouais. Comme ça. Parce que. Ouais, mais là, je vais devoir. Attends, 70. Allez, on va sortir comme ça, je pense. Tranquillement, larguer les gamins chez papy et mamie, tranquille jusqu'à demain soir. Merci les grèves. Ah oui, vous avez ça en France. C'est la merde. Non, mais en France, tu sais, faut pas demander quand c'est que vous travaillez. Enfin, pas demander quand c'est que vous faites la grève, faut demander quand c'est que vous travaillez. Attends, ils ont 35 heures et moi j'ai rien à dire, hein. Je suis à 40%.
J'irai jamais dire quelque chose par rapport à ça. Si tu larguais les bombes, on irait pas plus vite. Ah oui, et tu sais qu'il y a, un mode de déplacement dans l'espace qui est de cette catégorie qui est en train d'être étudié. En fait, t'avances par explosion de bombes. Ouais. Ça fait quoi si tu te rapproches du soleil? Bah, il s'éteint. Réponse logique, il s'éteint. C'est juste que t'arrives pas à te rapprocher du soleil. Déjà essayé, pas possible. Ah ok, je viens de voir les tourelles où c'est qu'elles étaient. Il y en a trois dessous et une à l'arrière. Ah oui, il y en a trois dessous, what the... Trois dessous qui pointent vers l'arrière, ouais, une à l'avant. Une à l'avant qui pointe devant et une dessus. Ouais, qui pointe derrière. Ah voilà, ah, faudra qu'on essaye. Donc cinq tourelles. C'est du gros calibre un peu. Alors attends, je vais te dire moi ce que j'ai. Moi je peux pas encore tirer là. C'est tout du laser normalement, non? Il y a écrit M6A, c'est ça? C'est les canons ou les munitions? Je me rappelle plus à combien on doit être, à 170 000 hein, je crois. Enfin je sais pas en quelle unité c'est là, enfin quelle est... Oh, on a un petit rythme de croisière de 19 personnes sur le live entre YouTube et Twitch. 6 sur YouTube, il y a toujours moins sur YouTube. Mais peut-être qu'un jour ça changera, le jour où ils feront. Ils se diront que ça c'est pas une mauvaise idée de synchroniser le live. C'est-à-dire que t'as pas une minute de retard. Ils ont pas compris chez YouTube en fait, que c'est bien en fait quand c'est en temps réel. C'est les mecs quand ils mettent un message, ils ont pas une minute de retard. Tac. Le jeu est magnifique, hein. Eh ben, Poply, je crois que le mot est faible, mais ça dépend. En fait, c'est un peu conditionnel. Ça dépend où t'es dans le jeu. Parce que là, regarde tout à l'heure. Ouais. Regarde, Pita, t'as combien de Quantum sur ton. Combien d'unités de Quantum? Ben là, je suis à fond. Ouais. Ah, quand. Je sais pas où c'est. Non, non, mais regarde, tu sais, dans ta Star Map. En haut à gauche, t'as marqué ta commande Quantum disponible. Ah oui, c'est vrai. Alors. Ouais, c'est 88 000. T'as vu? Et puis, requis, c'est 8 pour aller sur. Ah, attends, alors si on va par exemple sur Microtech, il dirait 7 000. Donc, d'aller à Microtech, donc bah, un peu à l'autre bout, hein, comme ça. Ça nous prendrait que 7000 sur 88000. Donc tu imagines le nombre de fois qu'on peut faire le trajet, quoi, 10 fois. T'imagines la facture quand tu refuels. Ah ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Ça va dans les deux sens. Ouais, c'est ça. T'as pas mis la route sur. Ouais, je vais refaire. Sur Chubby. Chubby Mining Facility. Ah sérieux, je vais pas pouvoir m'empêcher d'aller chercher la petite voiture là, puis de comparer la taille. On pourrait même essayer de faire une course à un moment donné. Entre les deux? Bah ouais, en fait t'as la petite Smart là, et puis t'as le Hercule, et t'essaies de faire un départ arrêté. C'est quoi, Pitage? On peut faire un truc? Ouais. Tu prends un véhicule toi terrestre. Ouais. Moi je me mets un peu loin, je drop une bombe, et tu vois ce que ça fait. Ouais, ok, ça marche. Vas-y, mais c'est une bombe nucléaire, genre il y a le souffle et tout? Je peux mourir? Si je me mets assez loin, non, ça doit... Non, tu peux pas mourir si je me mets assez loin, ça. Bon, on commence à accélérer un peu, j'ai l'impression. Ouais, bah on est sorti des nuages, là. On va pouvoir... Essaie de Quantum, peut-être, là. Quelque part, si tu peux. C'est pas le plus rapide, hein, Quantum, que normal. On va... Bah écoute, on va essayer. Bah, déjà, on est sorti de la... Ah, ça a l'air bon. Ah, ah, ah. Ah oui, c'est bon. On s'en va, les amis. Ok, alors là, maintenant, ce serait où? Là-bas. Alors là, les gars, vous allez kiffer l'arrivée en atmosphère de démarre avec un oiseau pareil.
Fais gaffe, hein, vraiment, je rigole pas. C'est... Ouais, 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 d'accord, bah écoute, volontiers. Je trouve que la carapace est pas très réaliste, par contre. Il est insane le vaisseau, mais la carapace, je pense qu'il faudrait voir les peintures qu'il propose. Oh putain, on est plus gros que la planète. Alors attends, c'est où déjà ton truc? Chubby. Alors Chubbin, je sais que c'est ton petit préféré. C'est pas ici, est-ce que c'est là? Bah, Chubbin, j'aime bien, c'est une petite station sympathique. C'est cool. Ah, non, hardcore. Chubbin, Chubbin, beautiful. Non, ça doit être par là. Je pense que je vais le chercher sur la carte parce que je le trouve pas si je dois le faire comme ça. Ça va être un peu vers le bas, je pense. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Chubbin. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment commander les tourelles. Ouais, des fois tu dois aller en manivelle pour les allumer. J'adore ton live. Bah écoute, c'est chou ça. Merci, Poply, t'es sympa. Ça fait au moins un. Ça fait au moins un qui aime mon live. Non, je crois que les autres s'y restent, c'est qu'ils aiment bien. Ou on a rien de mieux à faire. Ouais, alors ça peut être aussi parce qu'on se fait chier, ça c'est clair. Ce qui est très insultant pour moi, mais. Attends, mais là on va aller faire péter des bombes nucléaires. Par contre, ça, on est à l'ombre là, mais je vais vite aller chercher mon petit véhicule. Ouais. Pour en dire au soleil. Garde bien ton truc de quantum activé sur Chubbin pour voir combien tes kilomètres. Oui, oui, je sais. Et dès que t'arrives à. J'ai déjà enlevé le C parce que le blocage, parce que ça te joue tellement des tours. Ouh, attends, il y a quelqu'un. Ah, c'est un cut là, sinon on s'en fout. C'est un mec qui va éliminer ça. Bah, tu c'est crois un mec qui va éliminer, mais c'est une cible potentielle pour moi pour le détruire. Puis il voulait smoker son cargo. Ouais, mais on lui fait rien parce que ça m'embêterait là qu'il nous explose. Ouais, non, il pourra pas. Le shield il est tellement résistant sur le vaisseau qu'il aura pas cette puissance. Bah, si jamais mettez-vous dans les tourelles et puis au cas où il commence à bombarder, bah vous lui tirez dessus. Bah, il pourra pas. Même si à la limite il nous tirait dessus, il aurait pas assez de munitions pour descendre. En fait, tu veux le temps qu'il nous tire dessus, que ses armes rechargent. Non, ça dépend en plus s'il est en laser ou en balistique. Ouais. Mais en fait, admettons qu'il soit en laser, qu'il nous tire dessus, il arrive à nous descendre un peu un shield. Le temps que lui, ses armes rechargent, et ben nos shields seront déjà rechargés. Oh, la lumière. Oh, les spots. Regarde les spots. Oh, le spot. Ah, ça, c'est du super LED, hein. Ah, il fait jour pour lui, hein, je crois. Il croit que c'est le soleil qui s'est levé. C'est le nouveau soleil, ouais, c'est ce que j'allais dire. Bon, bah écoute, ça va. Non, en fait, il est assez manœuvrable, hein. Tu peux tirer un coup? Ça va. Non, non, on est en armistice. Ah, j'ai pas envie de prendre du Crimstat. Sur la plateforme. Je le pose pas sur la plateforme. Non, je me mets à côté. C'est juste les bleus, ils sont juste à côté, je vais aller me mettre. Il y a des mecs là-bas qui minent en plus, je suis en train de voir. Nous on veut pas d'embrouille, on veut juste aller chercher un petit véhicule. Vous fermez bien la trappe, hein, pas qu'ils viennent vous... Vous volez le vaisseau. Parce que personne rentre dedans. De toute façon, c'est pas compliqué. Si jamais vous avez des 12, vous allez dans Comlink. Vous allez dans, vous appuyez sur C2 et puis vous voyez qui est dans le vaisseau. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui est pas censé être là, vous savez que on a quelqu'un à bord qui est pas censé être là. Oh, j'ai rebondi. Oh. Tu es allé trop vite. Putain. Je suis allé trop vite, mais j'allais pas vite. Oh, il rebondit. T'as vu ça? Il a sacré amortisseur. Oh, wow, il a rebondi plusieurs fois, quoi. Mais c'est normal, t'as vu le poids du truc. Bah oui. Salut le petit. Hein. Le petit chat. Le petit chat, j'adore. Dans maman, hein, en douceur. Et le petit chat, j'adore. Bah, des fois, maman. Tu vas pas en douceur. Ah ouais, elle veut pas que ça aille lentement. Attends, Elle est pas contente si ça va lentement. Bon, ok, bah, il va falloir une heure pour trouver la sortie. Bon, par contre, t'as tout coupé, donc il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus rien là. Mais il fallait pas couper. Ah, tu veux pas que je coupe? Attends, bah non, vas-y, rallume. Bah, les boucliers, c'est quand même pratique, non? Oui, ça peut. Alors, je sais plus par où on descend. Ah oui, c'est l'ascenseur, c'est ici. Ah, tu viens avec moi, Castagne? Comment on rentre? Il y a un bouton sur la droite de la porte. Il y a un petit carré noir à droite de la porte. Voilà.
Allez, super. Exit. Bienvenue, le petit chat. Le petit chat, c'est drôle, ça, comme pseudo. Le 22, par contre, tu pourras nous l'expliquer. Ah, on est passé à travers quelque chose. Ouais, la trappe, c'est pas ouverte. Oh, la taille des canons, j'adore. Ça, c'est le genre de truc, si tu te poses trop fort... ouais, t'as les canons qui tombent par terre, c'est assez drôle. Ah. Bah, alors, c'est là-bas. Ouais, justement, l'autre jour, il y avait un Hammerhead, là. Il s'est posé comme un cochon. Et il y avait les canons par terre. C'était drôle. L'ascenseur peut rester ouvert ? Faudrait mieux le remonter. Comme ça, ça évite que t'as été quelqu'un qui... peut-être qu'il a abandonné, hein, le classe. Bah regarde s'il y a des trucs dedans, s'il est ouvert, s'il y a des trucs dedans. Alors, on va regarder, je vais juste commander ma petite jeepette. Ah, vous voulez qu'on prenne en même temps des trucs de minage ou des trucs, vous avez envie ? Y'a pas un reclaimer au fond, là, il me semble. J'ai vu. Reclaimer ? Attends, on va prendre non, mais il est parqué, là, il est arrêté. Y'a, il me semble, je sais pas, j'ai vu un gros truc au fond. J'ai un Ursa si ça vous intéresse. Hey G, bonjour. Ah bah bienvenue, écoute, on est plein là en audio. On est 5 en jeu. Et on attendait plus que toi. Russ One, publiez moi dans mon appartement. J'ai froid, mais en regardant votre live, ça me réchauffe. Oh, ça c'est chou ça. Mais moi j'ai vraiment des compliments comme ça. Je suis... Alors les PTV. Alors claim. Je suis plus riche que toi, Edgy. Ah, celui-là, il veut pas venir. Tout à l'heure, j'avais 20 millions. Maintenant, j'ai dépensé 5 millions pour rire. Alors... On prend un Ursa pendant qu'on y est ? Prends ce que tu veux. De toute façon, je peux en prendre que deux. Qu'est-ce qui se passe? Ok, complètement buggé le machin. De toute façon, là, ça rentre à foison dans le jeu. Ah oui, c'est sûr. PB1. Je pense que tu peux prendre même plus, hein, parce que si tu les claims... Attends, il y avait une astuce pour claim plusieurs fois le même truc. C'est pas toi qui dois aller les chercher, je crois, c'est quelqu'un d'autre. Des fois, l'argent, faut se faire plaisir. Ah, c'est clair. Hop. Fais remonter l'ascenseur. Alors là, ça va être drôle, hein. Ah, je me réjouis qu'on soit au soleil. Il peut remonter tout seul l'ascenseur ? Je sais pas. Parce que là, je le vois plus. Alors. Tu viens avec moi ? Tu arrives à monter ? Attends, mais je suis débile. Qu'est-ce que je fais ? Je me trompe chaque fois de bouton en fait. Il faut vraiment que je me mette des scotch. Allez ! Il faut ouvrir une trappe là. Trappe avant. Ah, ok. Voilà, j'arrive plus à rentrer. Ah, il est bugué. Parfait. Ah, c'est bon. Fait. Il clique sur exit. Alors. Dans la smart de l'espace. Elle est géniale. Elle est. Elle fait pas de bruit ? Ah oui. Y a pas d'assurance vie. Hein. Y a un bug. Hein. Complètement bug. Et hey ! Il faut qu'il retravaille le bruit, franchement. Y a un petit problème de bruit, mais regarde comme c'est cool. En fait, y a un gros moteur derrière. Regarde la différence de taille, c'est génial. Oui, parce qu'en fait, l'avion, il est génial parce que tu peux rentrer à l'avant et à l'arrière. Tu peux traverser. Ouais, tu peux rentrer à l'avant et à l'arrière. Attends, on va le faire. Avec ça, on avait rentré 4 tanks avec le... Ben, c'était pas le A2, c'était le... C'était C2. Le transporteur, ouais. Mais ouais, on avait réussi à rentrer 4 tanks. Ouais. Ouh, j'ai un petit bug. Ah mince, tu veux que je pousse ? Elle veut pas y aller, pourquoi ? Ah oui, il y a un gros bug, là. C'est quoi ? La marche est trop haute. Attends, on va essayer de prendre l'autre. Qu'est-ce qui se passe ? Non mais accélère. Prendre de l'élan. Faut que je prenne de l'élan. Dieu sait. Oh, tu sais quoi, on peut faire un jump dans le vaisseau. Peut-être on va être amené à faire un jump dans le vaisseau. Est-ce que t'es prêt? On va sur les bombes. Ouais, on va faire ça. Il va atterrir sur les bombes et il va tout faire péter. Ok, je prends un petit peu d'élan, je suis d'accord. Peut-être qu'elle avait pas la pêche pour monter. Non mais je pense que tu dois patiner parce que... Ah non, un peu neuf. Pourquoi tu t'es barré? Tu fais quoi? Ah, je pensais que tu voulais t'éloigner pour que je fasse péter une bombe plus loin. Mais non, on va aller au soleil. Je voulais monter dans le vaisseau. Ouais. T'arrives à te remettre exactement, ça m'embête de me réaligner là. T'arrives à faire un CTRL Z et tu sais, puis il se repose tout seul. Si tu... le vaisseau.
Si tu peux ne pas te poser sur moi. Voilà, tu es bien Ali. Yo, salut les gars. Oh, salut Edgy. Putain, mais tu as descendu fort, hein. Ouais, t'es descendu comme un porc. T'as vu un peu ce qu'on a loué, là, Edgy? Le véhicule. Ouais, on est en train de faire plaisir, on va aller... Tu l'as loué ou acheté? Je l'ai acheté. Ah ouais, acheté, il me semblait. Si tu peux ouvrir la trappe. Comment t'as fait pour avoir autant d'oseille d'un coup, là? Bah, tu sais, moi, je suis le baron, hein. Mais non, mais... Ah, t'es sérieux avec la drogue? Et je vends du Coca-Cola, moi, mon gars, H24. Mais non, t'as fait que avec en faisant que du... Mais non. Drogue. Mais non. Non, il a eu un don. Je mange du popcorn en regardant ton live. C'est cool ça, Sohan. C'est un peu comme un film en fait, c'est ça? Allez, vas-y, je fonce. On va faire le saut dedans. Non, décolle pas! Oh non, évite. Putain, t'es con! J'ai pas décollé. Hein. Bah si, il a décollé. Non, j'ai pas décollé. Bah, on dirait qu'il décolle quand je me rapproche. Non, c'est peut-être parce que. C'est bon. Oh, j'ai fait un saut! Ah oui. Je peux le mettre n'importe comment en fait. Par contre, j'espère qu'on l'a pas cassé la roue avant, parce qu'en fait, quand on tape, elle se casse la roue. Et chiant dans le Hercule, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place. Attends, je descends. Ouais, c'est ça, il y a. Ouais, bon, pas beaucoup de place relativement parlant. Hein. On peut rien mettre dedans. Eh, hey, tu viens jouer avec nous, et pour moi, tu sais que c'est une première historique, on est 6 dans un monde virtuel spatial. Et on va faire les cons tous ensemble. Pour moi, c'est très important. Moi, je me connecte, j'en sais après, parce que là, je vais manger vite fait et j'arrive après. Je viens juste écoute, on est là, si jamais, moi, je suis jusqu'à 1h du mat. Et donc, non, regarde. Qu'on a le temps. Tu regardes l'ouverture de la trappe avant. Allez, génial. Si tu clames de nouveau, je crois que tu peux le récupérer encore une deuxième fois. Ouais, mais je veux pas faire ça parce qu'après, ça va dépop le vaisseau. On n'a pas besoin. En fait, là, même celui que je prends maintenant, il est même en trop. C'est juste pour le plaisir de l'avoir. Tu crois que le prospecteur il rentre là-dedans? Ouais, peut-être. Faudrait qu'on essaie de rentrer avec un vaisseau. Ce serait pas mal, tu poses le prospecteur, tu vas sur une planète, tu fais du mine. Bon, ça éclaire. Comme ça éclaire, hein, c'est dingue. Le spot, la puissance du spot à l'avant. Là j'ai nouveau le jeu qui va à fond là, comme l'autre jour. Il est nouveau chargé à mort et tout. Alors attends, lui... Le poisson est trop haut, il passe pas. Ah d'accord, merci Vince. Merci pour l'info. On voit qu'il y en a quand j'ai essayé. Ouais, non mais c'est n'importe quoi, il y a des mecs qui ont... Mais tu sais, je suis sûr que tout a été testé dans le jeu. Fois le nombre d'utilisateurs, fois le nombre de temps que le jeu existe, je pense que tout a été. Ah, mais putain, il bouge là, le vaisseau, vous le décollez? Non, t'es pas en train de décoller, mais je sais pas ce que ça faisait. J'étais en train de bouger ma vie. Il fait des bombes tout seul. Ouais, il fait des sauts tout seul. Bon, c'est toi qui le pousse avec. Là, tu vois, par contre, on a assez de puissance avec le... Ah ouais, c'est... Oh, c'est bizarre, la rampe, elle est un peu buggée, hein, franchement. Non. Oui, ça fait propre quand tu vas à l'intérieur. Quand tu rentres. C'est bon, je peux fermer, là, on décolle? Ouais, c'est bon. Let's go. C'est le vent? Non. Si, c'est le vent. Je t'adore, t'es le boss. T'es chou, Swan. Bon film, hein, en tout cas. Il est en train de manger des popcorns en regardant le live. Donc, bon film. J'espère que t'as payé ton entrée, hein. Oh, la trappe arrière, énorme. Ah ouais, génial. Ah, c'est ça que je comprenais pas, en fait. En fait, c'est la trappe avant. C'est la trappe avant. Ouais, la trappe avant. Ouais, parce qu'il est le poste de pilotage est là-bas. Bon, on remonte. Où est-ce qu'il y a du jour? Je sais plus où c'est qu'on appelle... Ah, tu peux mettre une bagnole sur la trappe avant, là. Ouais, mais tu sais, tous ces trucs là, un peu de geek, je les fais pas trop. Et après, tu sais ce que tu fais, tu vas en altitude, tu ouvres la trappe et puis. Ah ouais, tu largues des véhicules, ah ouais, ce serait génial. Ça fait une autre bombe. Ce serait génial. Bon. Alors, attends, je vais venir un peu vers toi. J'essaie de chercher un point. Je sais plus où c'est pour rentrer dans le. Le poste de pilote. Ah non, c'est de l'autre côté, je suis débile. Tellement long le vaisseau.
Ah, vous savez quoi, mon rêve absolu. Et je pense que, imagine, Michael. Bah, c'est que je viens de jouer avec toi, c'est ça, ton rêve absolu. C'est pas mon rêve absolu, hein. Je pense qu'on est même assez loin du compte. Non, 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 mais là, tu vois, qu'on soit une vingtaine comme ça en audio, à se donner des objectifs ou réaliser des trucs ensemble ou faire des petites missions, ce serait génial. Mais qui nous mette à disposition l'Odysseus dans le jeu, un vaisseau comme l'Odysseus de Ulysse. Bah, il faut l'acheter. Hein. Tu prends le Kraken ou un truc du style. Ouais, mais je dis le vrai Odysseus du dessin animé. Ouais. Tu sais, c'est genre une station, tu peux marcher dedans, c'est comme une ville qui flotte, quoi. Mmh. Et tu te mets au poste de pilotage et t'as Shere Khan, l'ordinateur de bord, le vrai. Ah, attends, il faut que je regarde un petit peu ce qu'il y a là-dedans, alors. Menu. Comme ça. Bonjour à Pic. Ah ouais, bah là, c'est cool parce que le copilote, bah, il appelle la tour, en fait. Donc là, si j'appelle... Je suis en train d'appeler Castagne. Je crois que tu reçois un appel, Castagne. Y a pas le téléphone rouge qui sonne à quelque part dans le vaisseau? Ouais, sûrement. Castagne, tu dois avoir un appel. Je cherche. C'est normalement, c'est dans ton com, là, dans F1. Oh putain, ça devient... Link. Ouais. Direct message. Ça, ah, ok. Has ended. Alors attends, je te rappelle. Normalement, tu devrais me voir dans le poste de pilotage. Là, je t'appelle. Ah, voilà. 50 mètres, hein. Ah, c'est bizarre, je te vois pas. Mais toi, tu me vois? Je vois ton visage. Ah, moi, je te vois pas. C'est normal, il a pas de caméra sur son casque, je pense. Ah, c'est peut-être ça. Ah, je sais pas. Bon, bah, j'ai bouclé parce que ça m'intéresse pas de parler avec toi vu que t'es... Je te vois pas. Je te vois pas. Oh, c'est insane. Oh, c'est insane. Regardez ça, les amis. Voilà, là, la lumière, elle est quand même beaucoup mieux. Ça, c'est une planète où ils ont bossé la lumière, tu vois. C'est trop cool de voir ses potes, en fait, piloter un engin pareil. En roleplay, ça doit être énorme parce que je peux contrôler la puissance, la chaleur, les boucliers, c'est énorme. Ouais, 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 c'est clair. Dis donc, tu nous as mis une belle région. Là, tu me poses là en bas, puis tu vas nous larguer une grosse bombe. D'ailleurs, qui veut venir avec moi dans le... On pourrait sortir... À la limite, sortez tous, mettez-vous dans l'URSA, dans le PTV et tout, machin. Ouais, ouais. Puis, prenez des vidéos, sortez vos trucs, tout ce que vous voulez. Ah, c'est clair, moi, je vais faire des clips, quoi. Attends, je vais devoir te poser, attends. Parce que c'est pas toujours qu'on voit un C2... Larguer une grosse bombe comme ça, ouais. Attends, juste, tu me laisses une seconde. Attends, j'aimerais pas... Ce qui est tellement grand... Tu peux ressortir après le train d'atterrissage? Ouais, attends. Juste, attends, j'aimerais pas... J'aimerais bien le filmer quand il se pose. Sur des cailloux. Attends, hein, ouais, tu me... Tu fais pas tout de suite. Tac... J'essaie de trouver une zone où il n'y a pas trop de cailloux là partout. Parce que c'est un peu... Mais tu sais que tu peux configurer des touches. Oui, je sais, mais ça me casse les pieds parce que chaque vaisseau c'est différent vu la taille du vaisseau. Ouais, mais au moins, tu vois, quand tu veux aller à l'avant gauche, à l'avant droite ou des trucs comme ça, t'as déjà plus ou moins configuré. Et après, t'ajustes. Si j'avais. Je dirais moins. Ah ouais, voilà, là ça le fait. Ouverture du train d'atterrissage. Oh, le temps que ça met pour ouvrir. Alors là, on se réjouit de l'atterrissage. Je vais descendre un petit peu. C'est un peu caillouteux quand même. Hein. Ah ouais, mais c'est pas grave. On aura plus de sport, nous, en PTV. Tu vas abîmer la peinture. Ah ouais, génial. Ouvre voir les trappes, là. Qui c'est qui peut ouvrir les trappes en même temps, si on arrive à avoir tout dans le même clip? Bon, je peux le faire du cockpit? Ouais, je l'ai fait. J'en ouvre une. Ah ouais, là, c'est beau. Bravo. Et là, c'est quoi, télescopique un peu? Ah, la trappe, elle est télescopique. Génial. On peut sortir les véhicules, si tu veux. Ouais, vas-y. Ouh...
Tu sors par l'avant, ça te dérange pas? Par l'avant, l'avant, l'avant. L'avant okay. Du vaisseau, ouais. Bagetsu est en train de dire. Éviter. Enfin. Prendre le quad. C'est un peu en pente. L'avant, c'est bon. Écoute, ça va, j'ai l'impression qu'il est stable là. Ah ouais, c'est génial. Ça sort. La taille du de l'engin par rapport au vaisseau. Ah ouais, ça le fait bouger. Ah ouais, ça m'a. What? N'importe quoi. Ah c'est bon. Ah c'est bon. Ouais la rampe elle est un peu buggée, je pense que c'est les colliders. Ouais, ça sera pas mal pour le clip. Ça. Ouais c'est bon j'ai un clip. Allez, next, l'Ursa. Chacun son tour. Mais punaise la taille. J'aimerais bien voir un mec descendre à pied la rampe. Tu veux pas descendre toi à pied que je puisse filmer? Tu veux que je ressorte de l'Ursa? Non, Corvax. Tu veux? Ouais, descends à pied de la rampe. Comme ça, c'est génial, on voit vraiment la taille. Parce que c'est l'échelle humaine qui va vraiment faire le truc. Attends, parce que le temps que j'arrive. Par contre, le PTV, faut se gaffer, faut pas le péter. Hein, parce que si tu tapes avec les roues contre des rochers, j'ai vu que ça lui casse la roue au bout d'un moment. Là, arrive, hein, bouge pas. Bah, tu peux sortir l'Ursa hein, déjà. Ok, je sors en marche arrière. Hein. Ouais, vas-y. J'entends les klaxons du PTV. C'est ma merde qui klaxonne. Ouais, c'est ça. C'est la barre d'espace. The fuck. T'arrives pas à allumer le moteur, je te parie. De l'Ursa, c'est ça. Je vais en regarder, pourtant je viens de l'allumer. Tu dois faire un coup sec sur I en fait pour. Voilà. Ok, ça démarre. T'as vu ça? C'est un bug en fait. Ok, ouais, alors comme ça nous renseigne un petit peu plus sur la taille de l'Ursa par rapport au truc. J'arrive. Je sais pas. J'arrive bientôt. Vas-y, tu peux y aller. Excellent. Ok, alors là aussi j'ai un petit clip. Si j'avais, je te dirais moi le jeu. Pour la bombe. Tu trouves la sortie ou pas? Ah ouais, c'est bon, attends, j'arrive là, l'ascenseur il se pose. Tac. Prêt? Ouais, vas-y, tu descends doucement. Tu descends en marchant. Ah ouais. Regarde. Et c'est là où il faut dire, c'est un petit pas pour l'homme. Ouais, et ouais. Et un grand pas pour Star City. Ouais, c'est ça. Ah, le mec, il descend tranquillement comme un grand garçon. Ah, va jusqu'en bas. Ah ouais. Il a touché le sol lunaire. Il a touché le sol lunaire. Pas mal. Là, j'ai des beaux clips, je suis content. Ok. Dans la bombe. Maintenant, je vous largue une bonne bombe dessus, là. Et on meurt tous. Allez. Attends, on va tout fermer. Attends, je sors, moi. Je vais aller en... Tu peux re-rentrer dans l'avion, je pense. Oui. Enfin, dans l'avion, je sais pas si on peut appeler ça un avion, quoi. Il y a l'arrière qui est ouvert aussi. Attends, je vais fermer ça du cockpit. T'inquiète. Le nombre de portes, mais t'exagères, hein, quand même. Call elevator. Le temps qu'il met, l'élévateur, déjà rien que pour venir depuis en bas. Voilà. Hop. Donc là, la rampe, je me réjouis de voir si elle est ouverte. Ah ouais, c'était ouvert là, je crois. Hop. Regardez, je vais mettre juste à côté d'un pied. Juste pour voir. En fait, il y a combien de pieds? Il y en a un. Par contre, c'est mal fait, hein, parce que regarde, suivant comment c'est rocailleux, les flingues, ils touchent par terre. Hein. On peut pas les rentrer. Franchement, ça, c'est un peu mal fait, ça, je trouve. Mais voilà, ça c'est un des pieds du train d'atterrissage. On dirait ceux du Hammerhead. Bon. Alors moi, je vais peut-être aller dans le PTV. Coucou les copains. Ah bah, ou sinon je vais dans l'Ursa. Non, mais vas-y, conduis, tiens. Hop. Non, ça va, je vais dans l'Ursa, je pense. À la limite, on peut faire un truc.
On va se mettre où alors? Fallait se mettre sur une colline? Tu vois là, bah tiens, il y a une colline juste à côté de nous, là, regarde, ici là. Là où je pointe du nez. Essayez de vous mettre à peu près là. Attends, faut que je regarde où est-ce que tu pointes du nez. Ici là. Ah ouais, ça tire quand même. Je sais pas où t'es. C'est moi qui tire. Là où je pointe le vaisseau. Ouais, la droite. Ah, ouais, bah je vois pas du tout. Ouais, si tu l'as vu, je te suis. Attends, putain. Il faut que j'allume. Non, mince. Et je te... Il est beau le. C'est beau ici là, avec le soleil. Ouais, c'est génial. Franchement, t'as vu le sol là, comme il est. Non, la gravité elle est faible. Elle est très faible, ouais. On va tout en haut sur la colline là-bas. Ouais, bah, allez pas tout en haut. Ça va être un peu sport. En fait, attendez, je vais mettre à l'endroit là où je vais larguer. Comme ça, vous allez bien voir. Oula, je passais juste. Attends, toi tu vas larguer. Ah là-bas, tu vas larguer. Ok. Je vais larguer là où je suis à peu près là. Ok. Tu dis en termes d'exploration? Il va être énorme. Ah oui. Bah déjà, tu vois, à l'endroit là où on est en train de rouler, peut-être jamais personne a roulé. C'est ça qui est incroyable de se dire. Peut-être que de toute l'histoire du jeu, personne a roulé à cet endroit là précisément. On sera peut-être les premiers à mourir aussi. Ouais, hein. Ça, j'en doute pas. Bon bah là, je crois qu'on peut se mettre par là. Qu'est-ce que t'en penses? On voit bien la plaine. Tu vois, il y a une espèce de tache brune au sol qui est un peu plus brune que le sable. Oui, je la vois. Tu vas péter là? Mais là, on va être touché là, non? Non. Dites quand vous êtes tous prêts. J'adore le petit truc là. Normalement, c'est pas normal, il devrait pas pouvoir. De vous mettre en F4. Ouais, on est en F4. Max, c'est vraiment de reculer au max. Pour vraiment voir toute l'explosion. Attends. Là. C'est comme ça grand? Voilà, on a les véhicules en tout petit en bas et je pense que là la vue est magnifique. Je pense que tu peux y aller quand tu veux. Avec la petite tempête de sable. Avec la petite tempête, ouais. Prêt? Ouais, vas-y, je te vois en l'air. La bombe va souffler la tempête. Hein. Je la vois pas tomber en tout cas. Hein. Ouais, elle est tombée. Elle peut tomber pas là où je vais en plus. Ah. Elle est tombée un peu plus derrière. Mais elle est tombée, elle a pas pété? Si, t'inquiète, elle va péter. Elle est longue. Ah, genre, elle est plantée dans le sol? Oui. Oh! Le flash. Oh, les cailloux! Oh my god! Ah, mais il faut que tu nous la fasses tomber plus près. Pour faire du minage, c'est pas mal ça. Je sais pas, on est d'accord qu'il n'y a pas de trou, hein, ça terraforme pas ce truc. D'accord. Tu peux la faire péter vraiment dans la tâche? Tu te mets vraiment pile au-dessus de la tâche? Plus près? Vraiment? Ouais? Mais oui. Il y a du vent, c'est bon. La radioactivité, elle va partir à droite là, je pense, d'après ce que je vois. Voilà. Faudrait en faire péter une dans une grotte. Ah oui, dans le trou qu'on a visité l'autre jour. Bah ça, franchement, enfin c'était pas mal, mais c'est on n'a pas bien vu. Moi, je pense qu'il faut le faire au pied de la colline. Oh, j'étais soufflé. Ah oui. Moi aussi, je suis. Oui. Vous m'étiez plus près, j'ai fait plus près. Oh le choc! Mais tu nous l'as. On l'a pété! Ah, j'ai un bon clip hein, là. Ah, en plus, c'est insane avec. Il est pété? Ah non, il est pas pété. Par contre, je sais pas si on a pris du dégât. Hein. Oh, tu sais quoi? Tu nous en. T'en as encore là? Il me reste encore deux. Un là, plus qu'une du coup. Alors, tu peux. Il y en a que trois. Mais il faut que tu nous dises, quand tu la largues, pas ça, tu nous as pas dit. Là, ça va péter, là. Au même endroit? Regarde le triangle qui tombe. Ah, ouais, ok. Je suis dedans, là. Oh, wow, le souffle. Elle est proche, celle-là. Elle est proche. Elle était pas mal. Pas mal proche. Ok, excellent. Il reste une, là. Est-ce qu'il y a un cratère?
Sur coudré, or, ouais. Bah écoute, j'hésite, franchement, là je me suis un peu rapproché. Tu peux la faire vraiment péter dans la tâche. On va aller voir un petit peu plus près. Ouais, va dans la tâche. Non, pas dans la tâche. Non, mais j'ai envie de voir justement si on prend des dégâts. Troisième jour de jeu, je me prends une bombe sur la tête. Voilà, alors attends. Tu la mets vraiment dans la tâche ? Vraiment précis, attends, on va faire. Moi je vais aller en bas. Je vais me poser sur la tâche et puis je vais. Et puis tu montes vertical, ouais. Et puis je monte en vertical. Pourquoi la tête est toute petite ? Bah écoute, parce que je mets plutôt le jeu en valeur plutôt que ma tête. Est-ce que. Ah, attends. Avant de la larguer, moi je vais me mettre là sur le rocher, je pense. Voilà, là on sera aux premières loges, je sais pas ce que vous en pensez. Le PTV, ça va? Tu veux venir avec nous? Oh, c'est bon, t'inquiète, j'ai une bonne visu. Sinon, merci pour le vent. Comment ça? Bah, je viens de te répondre. Ah, mais ces enfants, quoi, capricieux. Nexus, t'es vraiment un enfant capricieux, quoi. Le mec, il est dans une décapotable, quoi. Ok, voilà, là, tu montes bien vertical. Si je suis trop près, je vais voler encore. Mais là, je pense qu'on va, prendre cher, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais on va prendre cher. Oh, je suis un peu plus loin que vous. Tu nous dis quand tu largues? Ouais. Bah, je te vois là. Ouais, t'as pas besoin d'aller très haut, je crois. Bon, ça dépend. Bah, comme ça, vous allez vraiment la tomber. C'est bon? Ouais, on est prêt. Je me réjouis trop. Ok, 3. Vas-y, regarde 2, en haut. 1. M'a mis un vent. C'est largué. En plus. Attends, Nexus, laisse-nous tranquille. On est en train de vivre un événement céleste. Attention. Ah, je la vois! Arrive. Ah ouais, on la voit! Oh! Oh non, je vois pas les déchets! Oh putain, comme j'ai giclé! Oh, l'explosion de dingue! Ah waouh, merci pour ce moment. Historique. Il est pas pété! Bon, l'Ursa, c'est un tank hein, quand même. Si on voit sa durée de vie quelque part, non, on voit pas malheureusement. C'est sûr, dans les écrans, tu peux pas le voir. Tu peux changer les écrans. Non? Ouais, je sais, mais je crois qu'il y a pas. Attends, on va essayer. Attends, shield. Si je mets le shield, tu peux essayer de me tirer un petit peu dessus là avec tes gros lasers, mais pas trop fort. Ouais, mais un tout petit. Tu mets juste un petit coup de laser. Un tout petit coup, tu sais. T'as vu la taille des machins ou quoi? Attends, ça y est, j'ai trouvé la... Mais juste un, hein. J'ai touché ou pas? Je crois pas, non. Ah, voilà, c'est bon. Oh putain. Attends, je veux juste voir qu'est-ce qu'il nous raconte. On est à 72%, je crois que tu peux tirer encore un coup. Il se régénère. Oh putain, attends, on est à 44, là. Vas-y, tire encore pour casser les shields. Voilà, maintenant on est hors shield. Je vais juste aller voir si on a des marques. Osiris, coucou. Mais adieu ici, Dan. Comment ça va? Bienvenue. Waouh. Alors attends, est-ce qu'on a des traces d'impact? Parce que c'est ça qui m'intéresse. Bah écoute, moi je suis dehors du véhicule, tu peux tirer dessus là. Vas-y, tire encore un coup. Oh, comme tu t'es posé comme un animal. Mais. Tu tires sur qui? Il tire en face. Essaye de retirer sur le Ursa. L'Ursa? Ouais, vas-y. Déconne pas, on est à 48%. Là. Ouais, mais sors du véhicule peut-être. Si c'est pas la Suisse, ce groupe-là, je comprends pas. Osiris, c'est bien une... Enfin, c'est mixte, là. C'est moitié Suisse, moitié Français. Mais il y a quelques Suisses, effectivement. Et toi, comment tu vas? Oh, putain. Je vois pas de marque, pour l'instant. Je crois que là, tu tapes direct sur le véhicule, hein. Mais je vois pas de marque.
Attends, on tire plus. Franchement, il est pas abîmé, hein. C'est du... Sérieux, y a pas de tourelle plus puissante sur ton vaisseau, là. Vas-y, tire voir maintenant un peu la dose. Mais la dose, là, t'es sûr? Ouais, non, mais 2-3, enfin, tu t'insistes un peu. Ah, c'est bon, il saigne. C'est bon, il saigne. Ça s'enlève, ça. On porte. Il me semble qu'il y a 5 missiles également sur le vaisseau. Ouais, non, mais c'est bon, t'es pas obligé de lancer les missiles. Voilà, là, il est un peu sale. Attends, je vais aller voir dedans s'il est abîmé. Au niveau shield et tout, ce qu'il me raconte. Vas-y, c'est bon, tu peux faire feu, là. Non, c'est bon, t'es chou, hein. Tu fais pas chier, parce que l'autre fois, il est explosé, hein. J'étais dedans. Alors, là, qu'est-ce qu'il nous dit au niveau shield? Alors, F, menu... Je vais laisser le vaisseau, je vais vous laisser le vaisseau, parce que je vais devoir aller manger vite fait, genre... Items. Laisse-le en l'air, là, il est bien. Mais... Oh, attends. Je peux rester en l'air comme ça, hein, mais... Non, s'il te plaît, t'es gentil. Ok, non, bah écoute, laisse tomber, on voit pas les dégâts. Bah écoute, je vais le rentrer dans le vaisseau quand même, si tu peux nous ouvrir les trappes. On va le prendre avec. Je vais et toi, Osiris, t'es suisse ou t'es français? Si tu veux jouer avec nous, c'est avec grand plaisir, là, on embarque du monde. On a assez de place dans le vaisseau. Alors, ouais, si on n'a pas la place dans celui-là... Putain, il déconne complètement. Ah, alors là. Suisse pure souche élevée au grain. Écoute, en tout cas, bienvenue sur le stream. Ça me fait plaisir de rencontrer des confrères. Bon, allez, je vais me foutre là. Merci pour le follow. Ça me fait très plaisir. Écoute, si tu veux venir sur Discord pour parler un petit peu. Bah il y a mon site là, tu cliques et t'arrives, il y a le lien Discord, tous les réseaux sociaux aussi si tu veux. Ça me fait bien plaisir. Galère à monter le petit. Oh putain. Le petit, il faut prendre de l'élan. Quel pouce avec l'Ursa. On devrait essayer, n'empêche. Bon, la deuxième partie de la soirée, ce sera du minage. Si ça vous dit. Ah mais attends, c'est que j'ai oublié les escaliers. Est-ce que je peux remonter la rampe? C'est beau, hein, quand même. Moi, j'aime mieux l'échelle. On essaye pour les capsules de secours. Tu peux sur la planète, tu risques pas grand-chose. Je garde ça pour de côté. Je vais faire à manger pour madame, elle est en train de crever. Excellent. Ah, les tourelles, elles sont là. Bon, attends, alors je voulais visiter un peu le truc. Oh, c'est génial l'endroit pour les tourelles. Puis là, tu fais quoi? Ça monte et ça descend, c'est ça? Non, ça bouge pas en fait. Virtuel. T'as tout sur l'écran. D'accord, malade ça. Attends, je vais essayer. Que de monde depuis Star Citizen. Eh oui, franchement, et l'autre jour, on était au moins 60. À quoi on était même 100 là? Alors attends, comment tu allumes ça? Les trois boutons gris en bas de l'écran, à droite. Ah, t'es obligé de cliquer là-dessus? Ouais. Enter remote. Ah, voilà, ok. T'en as un pour allumer, un pour... voilà, c'est ça. Ok. D'accord. Bon, ben voilà, ça m'intéresse pas, c'était juste pour... Ça, c'est une grosse hype en ce moment, c'est un truc de malade. J'avais vu ça, jamais vu ça en 5 ans. Ben oui, en fait, je crois que c'est parce que je stream. T'as l'armurerie derrière toi aussi. Où ça? Au niveau des tourelles. Ah d'accord, au niveau des tourelles il y a une armurerie. Oh la grosse tête. Non en fait moi j'étais pas du tout sur ce genre de jeu. Ah là-bas tu dis. La porte noire au fond. Ouais. Ah oui, je vais essayer. Je vais vous laisser aussi. What the... Ah ouais, ok, là tu peux, t'as tous les stocks d'armes. Et là, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Access panel. Je crois qu'on peut rien faire. J'adore les peintures là, la qualité de l'usure. On voit qu'on a plusieurs couches là. On a une couche de brillance avec une reflection map, plus la couleur et tout. Non, c'est vraiment bien fait. C'est pas Genevois, non, pas du tout. Non, c'est Neuchâtelois.
Et toi, t'es de quelle région, Osiris? Et tu vas bien, Alcrypt? Tu veux piloter un peu? Castagne. Ou qui veut piloter? Non, je pilote pas, moi. D'accord, ok. Bon, bah, je vais piloter, là. Hop. Hop. Allez, hop. On s'est fait plaisir, là. On a loué un gros vaisseau. Enfin, on a acheté un gros vaisseau. Parce qu'on a beaucoup d'argent dans cette communauté. Évidemment, on est Suisse, on travaille dans des banques. Le cliché absolu. Attends, on va essayer de fermer la rampe. Comment on ferme cette rampe de 1200? Non, c'est sur la droite. Spool Quantum Drive. C'est pas ça que je veux exactement. Alors, on a Edible Proximity. Voilà, Close Exterior. Ça marche là? Ouais. C'est toujours un peu sur la droite, hein. C'est toujours la même chose avec ces vaisseaux. Faut que j'essaie un truc absolument. C'est de décoller puis de rebondir un peu. J'aime bien faire ça avec les vaisseaux pour voir. Ah oui. Il va casser les lasers. Il part en avant, ouais. Corvax, à tout de suite. Alors, Argomo, location, basse price.